the aircraft is ready to depart. Bien pour ce soir. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Bah hier, j'étais juste sous le charme et aujourd'hui, j'ai peur qu'il me fasse souffrir. Déjà? J'ai envie de l'aimer depuis que je l'ai vu. Mais c'est...
fois. Ouais. Tu dois rester distante pour qu'il soit attentif, stimulé, comment dire, voilà. Ne pense pas à lui. Pense à sa place. Sois mystérieuse, fascinante, mais reste distante et délicate. Inaccessible, effarouché. S'il voit que tu as très envie de lui, il se dit, elle me veut et il peut perdre le sentiment d'urgence. Et toi, tu cours à la catastrophe. Désolé, je peux pas. Excuse-moi. C'est la première fois que je pense pas à elle pendant plus d'une heure. C'est bien t'embrassant.
C'était pas l'année dernière. C'était pas à Marienbad. Comment voulez-vous que je me rappelle? À force de l'attendre, je ne savais plus qui l'attendait. Le temps est un traître de cape et d'épée qui vous glisse sa poudre d'oubli dans votre coca. Il faudrait pouvoir choisir son film. Je n'avais plus qu'à me barricader dans la petite maison près du lac avec le canoë rose à deux places qui flotterait comme ça pour personne. Fermez les volets et ne plus changer l'eau des fleurs. De se glisser par le store vénitien. Mais c'est pas lui qui me fera lever. J'ai commencé une longue nuit. J'ai pas l'intention de demander le réveil. Je regarde les photos qu'il a prises de moi. J'en ai aucune de lui. Il s'est jamais laissé prendre. Le vent fait grincer le canoë. Rose, à deux places, il servira peut-être pour un autre film. Changer l'eau des fleurs, oublier qui tu étais, ne plus jamais avoir pas peur, se dire qu'on n'était pas vraiment fait pour le rôle, pleurer plus que le sol, plonger sous les draps et ne plus jamais. Thank you.